Ancien joueur de la jeune sportive de Kinshasa, Eton Kaimbe s'y mettait pour Junior Mouta, à l'ancien du football club Renaissance du Congo avec Denis Likwela. Likwela pour Wango Mbabu, l'ancien sous-adjoint de Vita Club. Wango qui écarte le ballon pour son coéquipier Steve Ebuela. Steve qui a tenté de frapper Wango dans le parage de la surface de Moscovite. Il combine avec Steve. La faute signalée par l'arbitre du match. Un très bon coup franc à suivre pour les Kalembelembistes. Oui, un très beau coup franc dans ces deux buts de rencontre en faveur des unionistes. Donc nous allons suivre cette action. Une faute, voilà, le replay. Wango qui a donné cette très belle passe. Ah oui, la faute des Massassions, mais des jours. Et voilà Steve. Et le coup franc très bien placé pour les unionistes. Avec Julien Moutoualé qui exécute ce ballon directement dans les gants de Landouma Vanga. Très bien tiré. Le portier angolais de Vita Club. Très bien tiré. Premier tir cadré à cette rencontre. Le dégagement de Landouma Vanga. Obed Mayamba qui réceptionne ce ballon. Il combine avec Jelem Glody Lilepomakabi qui n'a pas pu bien conserver cette balle. Mbarga, Pascal Mbarga, le Camerounais, Serbia Longo, l'ancien sociétaire des Oranges de Kinshasa, qui combine avec Kikasa Wamba. Kikasa, ça surquit bien Mehdi Massassi. Le bon geste d'Amédé Massassi pour relancer Bourassimbi dans son couloir, intercepté par Steve Ebuela. Et la touche pour les Moscovites. Oui, ça pousse déjà du côté de l'ASV Club. Nous allons suivre cette action, ce centre, cette déviation. Ah oui, c'est bien fait de la part des Jelem Glody Lilepomakabi. Les ballons avec Djungu qui va perdre la combinaison. Les unionistes qui vont tenter d'aller très loin avec Imanol Loté. Imanol Loté seul contre trois joueurs de Vita Club. La frappe écrasée. Une frappe molle qui ne pouvait rien apporter du côté de l'AS Maniema Union. Nous allons suivre cette action. Oh là là, les ballons interceptés par Steve Ebuela. Eton Kayembe, l'ancien de Bellor, qui combine avec Simité Ordi pour Junior Mouta, l'ancien du football club Renaissance du Congo. Et là là, ça combine bien avec Imana Loté. Les ballons sans danger et le portier Landou Mavanga qui s'empare et va relancer la partie. Oui, Landou Mavanga qui a fait une très belle carrière du côté d'Angola et se retrouve actuellement avec l'association sportive des clubs. Ndjungu Mafwana, l'ancien défenseur du football club Renaissance du Congo. Les ballons de l'autre côté, Bunga Simbi. Loin devant pour tenter de trouver Obed Mayamba, la déviation de la tête sans danger. Et le portier Bridel Efongé, l'ancien des Arc-en-Ciel, l'ancien des Char Club, l'ancien de la jeunesse sportive de Kinshasa, Bridel Efongé, le portier de l'AS Mani Mano de Kindou. Les ballons à la tête de Djung Mafwana, Mangoba, Jacques Mangoba, qui combine avec Pascal Mbarga pour le défenseur Ndongo. Ça circule bien. La descente dangereuse de Vita Club. C'est bien combiné. La faute non signalée. Voilà l'arbitre qui ravise. Un très bon coup franc à suivre pour cette formation de Vita Club. Oui, un très bon coup franc à suivre. Et c'est une faute très bien signalée. Voilà, nous allons revoir le replay. Là, c'était Lilepo qui a été stoppé. Goli Lilepo Makabi qui reste cloué sur cette pelouse, cette nouvelle pelouse du Stade des Martyrs. Jelem Goli Lilepo Makabi, buteur contre la formation des Diables Noirs lors du match amical international joué au stade Massamba Déba de Congo-Brazzaville. Un match qui s'était soldé en faveur des Moscovites le lundi dernier sur la lente étriquée
d'un but à zéro grâce à Lilepo Maccabi sur un but somptueux de coup franc bien exécuté. Et on va suivre ce coup de pied arrêté de Moscovite. Pascal Mbarga, il combine avec Kikasa Wamba. Kikasa en défense avec Ndougou Mafouana. Ndougou qui joue avec Landou Mavanga. C'est sûr qu'il vient pour les Moscovites de Vita Club. Kikasa Wamba, le maestro Kikasa avec Serbi Alongo. Serbi qui tente de démarrer. Serbi, il démarre donc Wangombabu. Les ballons bien récupérés par Andy Simete. Denis Likwela qui va tenter de trouver son coéquipier Moutoué. Position litigieuse. Position litigieuse, il était en avance par rapport à la défense. Et là, nous vous rappelons que la rencontre se déroule tout en respectant les 17 lois du jeu. Wangombabu ceinturé. Il ne faut pas laisser comme ça. Il ne faut pas laisser comme ça. On va suivre ce coup franc. Wangombabu. Wango. Il combine avec Biyeye, Bouxi Météordi, qui relance Eton Kayembe. Et voilà. Et Kayembe Eton, Bouxi Météordi. Et ça circule bien pour cette formation de Maniema. Ordi Simete. Et Simete pour Wangombabu. Wango, le capitaine de cet après-midi, Wango, qui combine avec Junior Mouta. Moutoua les Junior en défense. La belle séquence de Maniema dans cette première mi-temps. Oui, le poulain est Daouda Lupembe. Nous rappelons que le coach principal de cette équipe de Maniema Union se retrouve actuellement avec le Léopard au niveau de Madagascar parce que c'est le coach adjoint de Léopard. Et là, son adjoint qui assure cette rencontre de la troisième journée pour Maniema Union. Ah oui, exactement. C'est aussi la troisième journée de Vita Club. Oui. Il faut rappeler qui est déjà qui a récupéré son titre grâce au tribunal arbitral du sport, le club sacré champion 2021-2022. Comme a rassuré hier la présidente Bestine Kazadi lors de la conférence de presse. Vraiment, c'est un pari récit, hein. Une première en championnat national. Une équipe sanctionnée puis récupérée. On va suivre cette descente des unionistes. Moutoualé qui a mal réceptionné ce ballon. Les dégagements de Mango Vajac. La frappe interceptée par son coéquipier. La récupération avec Serbi, pas pour longtemps. Mouta, la faute sur Junior Mouta. On parlait donc de la présidente de la coordination de l'association sportive Vita Club, Estine Kazadi, qui a confirmé la décision du tribunal arbitral du sport. T'as son sigle, cette dernière qui donne gain de cause à son équipe au dossier du joueur Zaou Matutala qui l'opposait à la Fédération Congolaise de Football et au cercle sportif Don Bosco. Les ballons avec Junior Mouta, c'est plutôt Junior Moutoualé et non Junior Mouta. Imana Loté, Imana qui accélère, Imana la frappe intercepté par Kikasa Wamba, le dégagement de la défense de Vita Club. Simete Ordi qui assure, il joue avec Boudel et Fongé. Boudel et Fongé, le portier de Maniema Union qui est très calme à la défense et relance le jeu. La Mouta qui fait une remise à Wango. Ah oui, Boudel et Fongé, l'ancien de la JSK, l'ancien des Char Club, l'ancien d'Arc-en-Ciel, l'ancien de Mbandaka Sport, une pépite qui a quand même un parcours bétonné. Attention avec ce ballon, la frappe dévissé, une frappe vraiment à Kikasa Wamba. Kikasa
pour Glody Lepo, c'était plutôt Amédé Massassi pour Jelem. Glody Lepo Maccabi devant Kayembe. Et Kayembe, Elton qui se fait bien. Amédé Massassi pour Ebonga Simbi. Il combine avec Kikasa Wamba. Kikasa qui contrôle le ballon. Kikasa pour Ndungo Mafuana. Pascal Mbaga. Mbaga avec Ndongo. L'un devant Glody Lepo qui va tenter de percer. Voilà, il est dans la surface. La frappe. C'est plutôt un centre en retrait à la sol. Et le dégagement. La défense n'est pas finie. Ils sont en danger cette formation. La tête de Kaye Melton. Le ballon récupéré par le joueur. De manière à se décombiner. Pas des positions litigieuses de l'autre côté. Ah là, c'était trop vite pour Glody Lepo Maccabi. C'était vraiment trop vite. Et là, sur cette action, merveille, nous avons vu quand même ce centre raté de Glody Lepo sur cette première tentative de l'ASV Club. Mais tout en vous rappelant que l'équipe de Maniema Union joue la Champions League africaine avec tout puissant Mazembe Anglebert. Ah oui, tandis que Vec Club, bien que récupéré son sac, ne continuera qu'à jouer la Coupe de la Confédération. Les ballons avec Derrick Amantema Pembe. Et Bunga Simbi qui va perdre. La faute de Kikasa sur le joueur de Maniema Union. Hors d'ici Mété pour Junior Mouta, Imana Loté, Wangon Babou. Hors d'ici Mété en défense, le maestro de cette défense, hors d'ici Mété, qui a hérité de ce poste après le départ de Rajabou Atibou au sein du Tupisa Mazembe. Oui, Rajabou, il y a une nouvelle saison avec les Badia Nguena. Ah oui, la récupération avec Kikasa Wamba qui combine avec Mbarga, la bonne connexion. Jacques Mangoba, le centre est intercepté par Ordi Simété. Le corner à suivre. C'est une très belle combinaison d'une deux qui a bien réussi et le centre, demi-centre. Là, nous voyons le coach Loussa Dissou. Ah oui. Qui fait l'intérim du coach titulaire de cette équipe d'Aouda. Loussa Dissou, il faut rappeler, c'est un ancien aussi. Et c'est parti, ce ballon boxé par Bridel, la déversion de la tête. Ce n'est pas fini, si Ordi. Les dangers écartés par cette défense de Maniema. Calme. Oui, Maniema qui a eu chaud hein, quelques secondes avec ses attaques de l'ASV Club. La faute sur le capitaine Ebunga Simbi. Ndongo pour Ndungu Mafuana. Ndungu Mafuana qui rejoue avec Ndongo Foué qui va tenter de percer. Loin devant pour Obed Mayamba. Devant Kaimbe, la frappe d'Obed Mayamba. Oui, une très belle frappe d'Obed, maintenant cadré. Avec ce centre des Massassi, nous allons voir encore cette action. Ah oui, la belle passe de Ndongo pour trouver Obed Mayamba. Voilà. Bien surveillé par Elton Kayembe. C'est chaud, hein, c'est duel cet après-midi. La tête, Obed Mayamba. Il contrôle avec Massassi Amédé. Les ballons ont récupéré la faute sur le joueur de Maniema. Oui, faute sifflée par l'arbitre central Martin Oukala. Qui jusqu'à fait une très belle rencontre hein, en respectant les 17 lois de jeu. Ebunga Simbi qui récupère ce ballon et fauché par l'attaquant de Maniema Union, Fabrice Ngaba. Amédé Massassi qui va tenter de percer. Il combine avec Glody Lepo, c'est bien fait. Massassi Amédé, Massassi Obenza pour Glody Lepo Maccabi qui va frapper. Ah non, vraiment c'est une frappe dévissée, molle à
qui voit d'ailleurs la remise en touche de Manier Maignan. Assistant 1 a jugé que l'équipe de l'ASV Club, les joueurs avaient dévié ce ballon. Obed Mayamba pour Wangombabou. Wangombabou, l'ancien sociétaire des Vita Club. Avec son ancien coéquipier Kikasa Wamba. Il y a beaucoup de duels hein, cet après-midi. Une détermination des deux côtés. Le vert et noir du Maniema et le vert et noir des dauphins de Kinshasa. Ah oui, Maniema qui... s'est habillé en orange, rouge et noir. Ouais, pour faire la différence hein, par rapport à l'ASV Club. Exactement. Parce que toutes les deux équipes partagent les mêmes couleurs. Oui. Noir, verte et bleu jaune. Serbie Alongo et Serbie Alongo pour Ndjongo Bafana qui relance Ndongo, Ndongo pour Ebunga Simbi, le capitaine Ebunga, Amédé Massassi, Ndongo Foué, Ndongo avec Glody Lilepo, le meneur de cette formation de Vita Club. Lilepo qui tente de percer, mais stoppé par Yembelton, la récupération de Denis Likwela qui temporise avec Mbieye. Dans le couloir, c'est bien combiné avec cette descente dangereuse. Attention avec ce ballon à des unionistes non loin de la surface. Mbieye qui transfère le ballon de l'autre côté avec Junior Mouta, l'ancien sociétaire de Saint-Éloi-Loupopo et de la Renaissance du Congo. Mouta, le centre, les dégagements de la tête de Ndongo. Pied élevé. Ah oui. Bien vu hein, par l'arbitre Martin Moukala sur cette action. Nous allons y voir le replay. Contrôle de Wango. Ah oui, il y a Wango. Décale le côté. Mouta. La faute sur Mouta. Elle était fauchée. Je pense que ça combine bien entre Mouta et Wango. Voilà, oui, la descente des unionistes, c'est bien fait dans la surface de réparation. Il m'a naloté le centre, Ndongo qui dégage, Nicolas qui n'a pas pu enchaîner et la défense qui s'en sort bien, Amédé Massassi, pourquoi pas relancer son coéquipier. Il trouve donc Obed Mayamba qui accélère devant Simété Ordi. Obed Mayamba, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de se débarrasser de Simété. Impeccable, la faute sur le maestro Ordi Simété. Oui, la faute très bien signalée par l'assistant 1 de cette rencontre. Mireille Kanjinga. On le voit. L'accélération et puis la bonne défense de Simété Ordi pour empêcher Obed Mayembe. Obed Mayamba, voulais-je dire. Ah, il a manqué un peu d'inspiration sur cette action, merveille. La déviation de la tête. Encore une nouvelle tête. Kikasa Wamba, Wangombabou qui s'impose, qui a mis son corps en opposition. La descente dangereuse de Maniema avec Imana Lotte qui va tenter d'emballer les deux défenseurs de Vita Club. Okay. Impeccable, Ndjougou Afona qui récupère. Et le coach Dominique de l'association sportive Vita Club qui observe comment son équipe est en train d'exploiter les tactiques de jeu insérées. Ah, voilà. Ils sont vraiment une autre rencontre par rapport aux deux premières journées de l'équipe à livrer. On a obtenu 6 points au niveau de l'étoile de Kivu. Le club avait gagné cette rencontre. 4 buts. Hein. Allez là-bas. Ah, c'était vraiment. La descente dangereuse.
dernièrement à Vita Club qui revient de la sieste hein. Comme à Didier Pacher, la victoire contre Dauphinois 2 buts à 1 et le match nul contre la nouvelle équipe promue Étoile du Kivu. Étoile du Kivu. Un but partout, le but de Glody Lilepo Maccabi. Ndjungu Mafwana pour Pascal Mbarga. Pascal Mbarga, il combine avec le capitaine Ebunga Simbi. Kikasa Wamba. Amédé Massassi. Ndjungu Mafwana qui perce. Ndjungu bien surveillé par le joueur de Maniema Union. Massassi Amédé pour trouver Glody Lilepo Maccabi. Le ballon pour Lilepo. Non, bien surveillé par Kayen Belton qui dégage. Lilepo très sollicité cet après-midi par ses coéquipiers. Le ballon d'autre côté pour Jacques Mangoba. Il récupère. Sortie de but, le portier Boudel va relancer la partie. Boudel Fongé qui va relancer la partie. Il combine avec Eton Kayembe. Assis mettez avec Boutelé Fongé pour Elton Kayembe, l'ancien de Bellor Mbiyeye. Kayembe, assis mettez avec Boutelé Fongé. Le dégagement de Boudel loin devant. Azali, ah là c'est une faute hein. Par derrière. Et le dossard. L'arbitre central Moukala très bien vu. Ah, là nous allons revoir hein, sur cette action. Voilà. Le dossard des Moutouali. Qui se retire, une partie qui se retire. On va d'abord suivre ce coup de pied arrêté avec bon, Junior Mouta à la tête, le dégagement à la tête avec Lubienne. Ngaba. À pour Wango Mbabu. Wango avec Eton Kayembe. Boudelé Fongé. Simété Ordi. On vous rappelle, c'est la troisième journée de cette Vodacom Ligue 1 que Clus Production, chapeautée par Clus Banga, vous propose en direct du stade des Martyrs, Vita Club, Maniema Union de Kindu. Oui, là, c'est le club. À la belle récupération, c'est bien combiné. Le pied magique et de Simété pour intercepter ce ballon. Septième confrontation avec l'équipe de Maniema Union. Cinq victoires pour l'ASV Club. Un match nul et ça, c'est la septième confrontation. Qu'est-ce que ça va nous donner? La dernière explication entre Vita Club et Maniema Union. C'est descendu sur une note nulle vierge, des obus partout. C'était ici au stade des Martyrs. Lors de la manche, un retour de la 27e, plutôt la 26e édition. C'est très bien vu pour sur cette action. L'arbitre Martin Moukala qui a bien vu le pied hein, posé sur le doit aller arranger le dossard parce que. Voilà, c'est ce que l'arbitre a fait, qui accompagne Moutoualé pour qu'on arrange un peu l'autre partie du dossard. Et là, on revoit cette faute sur le défenseur de Vita Club, Landou Mavanga, qui relance Ndongo. Il faut
faut rappeler que l'équipe de Maniema Union Merveille, créée en 2005, cette équipe de la province de Kindu, comme on a toujours dit, Kambelembele, est chapeautée actuellement par le général Amissi Ditangofor, qui est l'ex-président de cette formation des Vita Club. Voilà. Et ce qui rend aussi cette rencontre, ces derbies, ces classicos ici électrique. Ndongo, Pascal Mbaga. Allez, ballon récupéré par le joueur de Maniema. La faute de Serbi Alongo parmi le joueur éjecté du Football Club Rennes du Congo la saison dernière. Serbi Alongo, l'ailier des Vita Club, qui a marché sur le joueur de Maniema. On dit s'y mettez. Le devant. Ndjungu Mafwana qui protège très bien. Ndjungu bien surveillé par l'attaquant de Maniema. C'est plutôt les milliers offensifs. Denis Likwela. Il va aller sortir en faveur de la club qui fait déjà cette remise en jeu. On va voir le capitaine Bunga Simbi qui va avancer. Ah oui, à l'occasion pour nous de féliciter à notre maman Jenny Ibanga Bundunga pour le nouveau bébé. Ah, félicitations. Il y a aussi un bébé de Depatia qui est en gestation. Les ballons pour Simbi dans le couloir. Et pour Simbi, qu'est-ce qu'il va faire? Les ballons avec Kikasa Wamba. La frappe de Kikasa! Voilà. Ça a failli souffrir dans les portiers bridés et fongués. Très très belle frappe. Sauf que elle n'était pas cadrée. Hein. Ah oui. Là nous voyons vraiment cette détermination de vers le nord de la capitale avec cette frappe de Kader, comme on a l'habitude de le dire, merveille d'Ikasa. Ah oui, Kikasa Wamba, le milieu offensif des associations sportives Vita Club. À la fois là, on voit cette frappe de Kikasa Wamba. Bien ajusté. Et on voit là, le différent angle grâce à l'équipe technique de Chris Production. Chapeauté par le manager numérique Chris Ibanga. Et bon Asimi pour Pascal Mbaga. Mbaga. Qui combine avec Jacques Mangoba. La touche pour l'équipe de Maniema Union, toujours sur but partout. Mal contrôlé vraiment cette, sur cette action. Mouta va faire cette remise en jeu. Et nous sentons hein, dans les deux équipes cette détermination de ne pas perdre, cette détermination de marquer de deux côtés. Ah oui, il y a de la détermination de part et d'autre. Gino Mouta, transfuge de Saint-Éloi-Loupopo. La mauvaise remise de la part de Junior Mouta. On va suivre ce coup franc très vite joué avec Ndongo. Pour Amélie Massassi. Massassi Obenza. Ndongo Foué. Ndongo avec Obed Mayamba. Obed Mayamba. Massassi Obenza. Kikasa Wamba. Qui tente de trouver son coéquipier, en l'occurrence Jacques Mangoba, qui s'est fait chipper le ballon par Junior Mouta. Exceptionnel Junior Mouta. La récupération de Moscovite. Massassi Obenza pour Glody Lille pour la bonne combinaison. Il est bon dans la surface. Qui n'a pas pu bien réceptionner ce ballon. C'était un peu rapide hein, pour Lillepo et si ça c'était arrivé, hein, juste il pourrait frapper et faire la différence. C'est Glody Lillepo, nous allons revoir cette combinaison des Obed Massassi et Lillepo. C'est une de qui n'a pas réussi en dernière minute.
ça allait être la descente très dangereuse belle action, hein, si de Wanyama, seul contre 4 joueurs de Vita Club. Voilà, Lando est calme. Là, il récupère, il combine calmement avec sa défense et fait une très belle relance. Allez, Lepo qui va perdre ce ballon. Et on va suivre ce coup franc. Jacques Mangoba. Jacques Mangoba. Qui casse ça avec Obed Mayamba. Pascal Mbanga. Ça circule bien. Maintenant, il faut se projeter de l'avant et d'inquiéter le boxeur Bridel et Fongé. Ndongo Foué. Ndongo. Ndongo. C'est plutôt Kikasa qui trouve Jacques Mangoba. Jacques Mangoba, le centre à retrait. La récupération Wangombabou. On va ajouter la touche à suivre pour des Vita Club. Le club qui finit bien, mais qui ne trouve pas les cadres. La Serbie qui n'a pas pu bien réceptionner ce ballon. La touche pour les Moscovites avec Jacques Mangoba. Voilà, il est là. Le joueur qui était allé arranger le dossard. Alors on voit cette belle combinaison. Très belle combinaison, merveille. Dommage. C'est trop vide. Hein. On est vraiment sur différents angles. Ah oui, et la consternation de Glody Lebo Maccabi Jelem. Qui n'a pas pu bien réceptionner ce ballon. La touche avec Jacques Mangoba. Mangoba qui attend le feu vert de l'arbitre du match. La remise de la tête de Massassi. La faute signalée. Ah oui, Amédée Massassi qui a joué ce ballon de la tête pour gêner le joueur de Wanyama. S'y mettait obligé de recommencer. Oui, nous allons suivre sur cette rencontre, cette coup de pied arrêté de Wanyama qui revient derrière avec le gardien, les cales de côté. Attention, il bouille là. À la touche avec Ebou Nassimbi. Qu'est-ce qu'il cherchait hein, sur cette action pour permettre avec Club d'obtenir cette remise en touche. Kikasa Mbaga pour Kikasa Wamba. Kikasa qui va tenter de percer la frappe de Kikasa. Loin du cadre. Là, là il en fait vraiment des trous. Il est fongé. Il a fait des trous. Il devait essayer de combiner avec ses coéquipiers. Il était loin du cadre. Ah, ça a été dévié. Ah bon? Ah oui, ça a été dévié. Le corner pour les Moscovites. De Vita Club avec Serbi Alongo. L'ancien joueur du football club réalisant du Congo éjecté. Le centre bien capté par le poteau Bridel et Fongé. Directement entre le maître et Bridel et Fongé. Et le banc de touche de Wanyama avec Rodrigue Chitemaï. L'unique buteur contre l'ACI Kouyagisa, Kouyasport. Qui va jouer demain dimanche contre les Dinkles Motema Pembe. Et il faut rappeler Marvel Wello que toute la rencontre actuellement est à huis clos. Là il faut le rappeler que le rencontre de Lubumbashi a en vue l'opération Kanda pour accéder au stade. Mais jusque là au stade de Martyrs nous sommes encore en réhabilitation. Il y a encore le chantier au stade des Martyrs et la Linafoot n'utilise que jusque là l'aire de jeu parce que dans les tribunes il y a encore des travaux à faire qui doivent encore prendre du temps et là le public doit aussi patienter. Voilà, les civils publics doivent patienter parce que le stade des Martyrs n'est pas encore terminé dans sa réflexion et nous profitons pour remercier le chef de l'État qui a mis vraiment le moyen pour récupérer le tas de ce stade qui a été fermé, interdit par la CAF et la FIFA pour des rencontres internationales. Le corner pour
L'association sportive Maniema Union de Kindu exécutée d'un côté le dégagement de la tête de Masati Obenza. La frappe déviée par le joueur de Vita Club, Wango, qui s'est fait chipper les ballons. Encore un nouveau corner à suivre pour Vita Club. Ah, là maintenant, la SV Club pousse hein, pour chercher, et plutôt Maniema Union pousse pour chercher ce petit but. J'ai parti avec je corner la tête de Mayamba Obed. Sans succès, Dongofo qui récupère ce ballon. Qui a voulu trouver Kika Sabamba, le ballon pour les unionistes. Wango Mbabu, qu'est-ce qu'il va faire Wango pour son coéquipier? La frappe, attention là là. Landou Mafanga qui a failli donner de l'avantage à cette formation de Maniema. Belle parade, belle interception du gardien. C'est parti avec la belle réception de la poitrine de Wango, le dégagement d'Ndongo pour écarter le danger. Ah, ça revient pas toujours. Ça revient pas. Deuxième côté. On dit s'y mettait. Elle s'y mettait avec Junior Mouta. Loin devant, Mouta Junior. Et le ballon bien repris par l'impeccable Ndongo Mafola. Kikasa Wamba qui va tenter de percer Kikasa pour Ebunga Simbi. Ebunga, qu'est-ce qu'il va faire? Il relance donc Jelem. Claudie Lilepo Makabi pour Ebunga. Et le ballon récupéré. Lilepo Fauché. Voilà. Non, c'est juste une remise en touche. Alors, on va voir cette action, cette frappe. La touche. Plutôt là, on y voit encore. La touche exécutée, la récupération de Maniema. Et l'équipe de Maniema qui part en contre-attaque. La belle passe pour l'impeccable avancante de Maniema. La frappe ! L'ouverture du score ! L'ouverture du score des unionistes par l'entremise de l'impeccable Fabrice Ngaba. Trouvé en profondeur. Vita Club 0, 1 pour Maniema Union. Quelle belle opération ! Et vraiment, c'est du caractère. Boum ! Une très belle combinaison, une frappe limpide de la gauche qui a vu le gardien Landou Makela encaisser à cette rencontre. Ah oui, et là nous merveilleux l'eau là. Le but de Singaba, là on y voit. Voilà, on va. Et là, c'était pas Roger. Bien récupéré, frappe limpide, bien cadré. Et là, le club mené en désordre il y a déjà 37 minutes. Les Moscovites obligés de revenir dans cette explication. Cette décision de TAS qui a confirmé la présidente de la coordination Bestine Kazadi. Mais pour l'instant, 0 pour Vita Club et 1 pour Maniema Union de Kindu. Oui, c'est Ngaba. Allez, avec Denis. Attention avec cette descente. Le centre à la tête de Moutoyer. Oh là là, il a aïe, aïe, la justice à tête. Et puis. Aïe, vraiment. Junior Mouta. Ça l'air terrible, hein. Terrible. Pour les Moscovites, vous voyez cette. Là, on y voit des. Ce centre. Aïe, vraiment, si c'était arrivé sur la tête. Alors, on voit encore ce but proposé par le réalisateur Bétoni Manana en complicité avec Jacques Missaï. Voilà, on y voit la passe dans l'espace et puis la frappe bien placée dans le soupirail. Nous avons une petite incompréhension de la défense à l'axe de l'ASV Club qui a pêché hein, sur cette action. Entre Ndongo Mafuana et. Ah, c'est bien combiné avec ce ballon Serbie à Longo. La frappe des Serbie. L'un du cadre de Bridel est fongué. Là, c'est. Un gâchis. C'est à donner à ses coéquipiers. Le ballon combiné avec riposte. Attention avec ce ballon. Bien intercepté par Ibunga. En bas, Kikasa qui va tenter de les percer. Kikasa
pour Glodine Depo, c'est bien fait, mais la mauvaise passe de Kikasa et le club trop timide avec ce but marqué par Fabrice Ngaba pour le compte de Maniema. Dans ce match, la mauvaise passe de Wango Mbabu Aïchela. Longo pour Djongo Mafuana. Kikasa Wamba. Kikasa intercepté par Wango. Les bons gestes de Wango qui transfère le ballon au buteur Fabrice Ngaba. Fabrice Ngaba pour Moutoualé. Moutoualé qui va tenter de percer, mais des ballons chippés par Djongo Mafuana. La faute, oui. La faute de Massasio Benta sur Mbiyeye. Oui, cette faute très bien vue hein, par l'arbitre central Martin Moukala sur cette action que nous voyons. Et là, nous voyons Massasi qui plaide sur les replis de ses coéquipiers qui ne replient pas pour. Et le but bien placé dans le soupirail. Récupérer le ballon au milieu de terrain après le contre-attaque. Là, il s'arrange les deux ça. Et le joueur de Maniema qui reste cloué sur cette nouvelle pelouse. Le stade des Martyrs. À merveille, là, nous rêvons encore l'action. Cette belle frappe. Hein, c'est replay de Jacques Moussaï qui fait très bien. Qui fait très bien à nos téléspectateurs, Claude Elo là. La grande équipe. Hein, avec Bettoni. Et là, vous voyez l'entraîneur adjoint de Maniema Union, Yalous, comme on a l'habitude de l'appeler. Ah oui, Yalous Alissou. Yamoshé Ben. On sait joueur du club également. Capitaine de l'SV Club, qui a fait la campagne 2014 avec l'SV Club. Il a joué avec Ebunga Simbi. Voilà. Avec Ebunga Simbi. Capitaine de cet après-midi, le buteur qui va quitter l'aire de jeu, Fabrice Ngaba. Obligé de quitter momentanément l'aire de jeu. Il y aura donc 2 minutes à récupérer dans cette première mi-temps. 2 minutes. 2 minutes. On te parle, l'assistant Carlos. Explication de cet après-midi entre l'équipe de l'association sportive Club et l'association sportive Maniema Union qui mène déjà au Marquois. Action, un très beau but. C'est bon tacle. Déboula Steve. Le corner à suivre pour les Moscovites de Vita Club. Là on y voit la passe des Serbies à Longo pour Simbi. Voilà. Voilà, était vite parti. Le corner des Moscovites. Pourquoi pas revenir à toute fin de la première mi-temps. Le ballon bien capté par Bridel et Fongué. Et il dégage très loin. Dongo de la tête, il donne à l'adversaire. La même attention que avec le ballon, il accélère. Oh là là, toute vitesse quelle propre tutide. Le ballon dans la surface, bien capté par le portier Landou Mavanga. Là, ça allait être très chaud. Parce que nous voyons l'axe central de l'SV Club. Apparemment, ils ont des confusions. Ils ont quand même des. Entre Ndjou Mafuana. Téléchargé, attention avec ce ballon de la surface de Moscovite. C'est bien terminé, pourquoi pas la frappe complètement ratée. C'est une frappe complètement ratée. Et même le bébé Joe Prince Ibanga ne peut pas exécuter une telle frappe. Nous allons revoir encore cette action qui pourrait permettre à l'équipe de Maniema Union d'alourdir le score. Mais c'est la mi-temps de Patière. 0 pour Vita Club et 1 pour l'AS Maniema Union de Kindu, but obtenu par l'entremise de Fabrice Ngaba. Oui, à Fabrice Ngaba, sur une frappe limpide, précise,
et de sa gauche a cloué, a battu le gardien Lando Makela. Et nous rappelons actuellement titulaire cet après-midi parce que le gardien titulaire de cette équipe de l'ASVA Club, Omosola, est en sélection nationale avec l'équipe camerounaise. Et là sur le banc, Yukong, qui est sur le banc de réserviste pour. Là, on y voit la dernière action de cette première mi-temps avec l'accélération du Manaloté, les centres et les ballons dans les gants de Landou Mavanga. Et l'arbitre du match, Martin Moukala, qui vient de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. On se retrouve juste après 15 minutes. Sika ya moke bolingo ile kamakasi. Makoki mazali ya kuluka nzela ya kubiki saboko na nyoso. Ikoki kusale maete balongo la ata moto moko te. Na kolonga mpe kolonga makasi. Tobongo la bizali na biso mpo ya kubete la nzinga nzinga na biso. Kutambola na lombango makasi kasi na kobebisa te. Tokende liboso mpenza na esika nano tokomi te. Na lisanga ekoki kosalema. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. Il y a des moments dans la vie où tout est remis en question. Mais quand on a M-Pesa, la vie est simplifiée. De chez moi, en toute sécurité, je transfère l'argent de mon compte en banque vers mon compte M-Pesa. Waouh, c'est comme si j'avais la banque à la maison. J'assume mes responsabilités en envoyant de l'argent, en faisant des dons à distance. En achetant des unités et forfaits pour mon business et mes proches, 24 heures sur 24. En faisant des courses sans me déplacer. Encore, en renouvelant l'abonnement télé pour le plaisir en famille. En ces moments.